J'ai une nouvelle fois eu des problèmes de droit d'auteur, ce qui fait que je suis obligée de refaire et de reposter cette vidéo afin de la mettre en règle par rapport à YouTube. Donc, je vous souhaite plein de plaisir en regardant ce troisième vlog de ma vie à Paris. J'espère que ça vous plaira. Commentez, 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 on se retrouve bientôt. Bonjour et bienvenue dans le vlog d'une fille folle à Paris. Il est tôt, il est très tôt, c'est nuit dehors. Il doit faire. Enfin, il est très tôt pour des vacances, quoi. Il doit être environ 7h et quelques. Je me lève tôt parce que ma mère ce matin, elle part à son stage de dessin qui commence cette semaine. Et en fait, je voulais lui préparer absolument des petits pancakes à base de bananes végétaliens pour qu'elle se sente bien et qu'elle commence bien la journée avec des choses délicieuses. Voilà, donc du coup, je vais vous prendre avec moi. Mais d'abord, il va falloir ranger ce bordel. Voilà, parce que je dors dans le salon, sur le canapé. Old flip-flops and my hat on top. Cold sunblock that I almost forgot. Headed for the blue seashore. Chouïa en voix-off pour vous expliquer un peu ça. Normalement, j'ai l'habitude quand je viens en France de faire de la gym suédoise, mais là, il m'est impossible de faire des mouvements d'abdominaux classiques, donc je fais ces petits mouvements qui me permettent de ne pas trop utiliser les abdominaux de façon violente, on va dire. Et donc voilà la petite routine que j'ai trouvée sur le net, et vous allez voir juste après cette petite routine la raison pour laquelle je ne peux pas faire mes abdominaux.
Et voilà la raison, bah oui, si vous ne l'aviez pas déjà deviné, je me suis fait un piercing au nombril et là ça fait 2 jours que je porte le pansement, donc je vais l'enlever devant vos yeux ébahis. Et ne vous inquiétez pas, vous voyez, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est, en fait tout va bien. C'est plutôt bien et puis je vais surtout procéder aux soins qu'il faut, hein, c'est-à-dire utiliser un petit lac derrière. Là, je suis pas du tout bien placée au cadrage en fait, donc vous voyez rien du tout, mais je fais couler le contenu, une petite partie du contenu de cette pipette sur le piercing sans le toucher, sans le bouger, et ensuite je vais un petit peu essuyer toutes les gouttes qui ont coulé sur mon ventre pour pas dégouliner tout simplement. Bon, bah, c'est pas tout, mais il va falloir se faire belle, donc voilà à peu près ce que j'ai ramené pour mon voyage. Et donc voilà, c'est les produits que j'ai toujours, c'est toujours les mêmes, vous voyez, ils sont utilisés quand même jusqu'au bout, là, ils arrivent à leur fin de vie pour certains. Et puis vous allez voir ça. Je vais retrouver une copine, donc la You, coucou, si tu vois cette vidéo, pour aller au restaurant vegan qui s'appelle Hung, je crois. Je l'ai découvert grâce à la chaîne de la fille, merde, qui était connue, crudivore, etc. Blonde, vous savez, qui se lavait pas pendant un temps, ni les cheveux, ni le corps. Bref, ça devrait me revenir, mais moi j'ai un problème avec les noms toujours. Et donc là, je cherche en ce moment la rue des Archers. Enflammé. Ah, c'est bien, ils ont fait des économies de peinture. Hein. Ah, rigolo l'endroit. C'est intéressant. Très intéressant. C'est genre. C'est carrément le vrai supermarché Maxi Sensor avec plein de trucs, enfin, c'est juste hallucinant, c'est trop rigolo. En fait, on s'est rendu visite pour aller aux Galeries Lafayette ensemble parce qu'elle a besoin d'acheter des trucs et c'est génial. Il y a des trucs de fou, je vais vous montrer, c'est trop rigolo, ça me fait l'anglais. Venez avec moi. Et ils ont genre déjà des trucs préoccupés du genre. Ah oui, les morceaux de potiron déjà coupés ou les spaghettis de courgettes déjà. Excellent. Là, c'est pris un super wrap chez Marc Spencer, du coup, qui a l'air trop beau. Un falafel rôti aux épinards. Ça a l'air beau, hein. Montre-nous un peu ça. Ouais, là. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là. J'ai un petit truc parce que ma mère elle a pas mangé, donc un petit cinnamon buzz pour ma mère, un thé et moi j'attends mon café au lait de soja. Ça c'est bien parce qu'on a vu sur moi quand même, hein. Je tiens à le dire, regardez, voilà, je suis juste là, c'est pas vous, hein,
Et puis la vie, évidemment, sur le... celui-ci, c'est pas du tout ma taille, c'est taille L, mais c'est pas grave, j'aime bien le côté long. Coucou, alors voilà, on rentre des courses, là on rentre à la maison, etc. Je vais finir en fait le vlog maintenant, même s'il est super tôt, tout simplement parce qu'on va rien faire de ce soir. Ce soir on va aller donc à un spectacle de danse au théâtre de la ville, voilà, à Châtelet. Mais du coup, c'est pas un truc que je vais pouvoir filmer ou quoi que ce soit, et comme on va rentrer genre à minuit, je vois pas ce que je peux vous montrer. Je vais manger un petit truc, mais pas grand chose. Donc en fait, je vais terminer dès maintenant. Je vais monter le vlog. Comme ça, il va sortir super tôt aujourd'hui. Mais je vous raconterai demain. Donc venez dans le vlog de demain soir pour savoir si le spectacle était bien, si ça vaut le coup, si vous voulez faire voir ce genre de spectacle. Voilà, tout simplement. C'est avec des danseurs de troupe de Lyon, là. C'est des danseurs de... du ballet de Lyon. Voilà, c'est ça, de la danse contemporaine qu'on va voir. Ça a l'air top. Et puis, je vous dis à bientôt. Je suis super contente que ça vous plaise, en tout cas, parce que je vois que j'ai des très bons retours sur cette série de vlogs. Donc, j'espère que ça continue à vous plaire. Pouce en l'air. Et puis, retrouvez-moi dans les commentaires pour plus de discussions. Ciao, ciao!